Un point sur la tempête tropicale Brett qui intéresse la Martinique. L'île se situait toujours dans la zone de vent fort selon Météo France. Les coups moyens peuvent atteindre 4 à 5 mètres au littoral atlantique. Des forts déferlements et des submersions localisées peuvent être observées, en particulier entre le Vauclin et les Salines. Selon Météo France, les vagues pourront atteindre localement 6 mètres dans le canal de la Dominique et jusqu'à environ 7 mètres dans le canal de Sainte-Lucie. 20 000 foyers en Martinique dans 11 communes ont été privés d'électricité hier soir. À Fort-Saint-Denis, une rafale a été mesurée à 110 km/h à 19h. À 18h, des rafales de plus de 90 km/h ont été mesurées dans la plaine du Lamantin, au Vauclin et à la Caravelle. Pour l'instant, on ne déplore pas de victimes. Une tempête qui se déplace rapidement et la calmer est prévue pour le début de la matinée en Martinique. Tel est le point que nous pouvions faire sur ce phénomène de tempête tropicale Brett qui traverse la Martinique en ce moment, mais qui va dans quelques heures se diriger ailleurs. Et donc l'accalmie devrait être très rapidement programmée pour toute l'île dans les heures à venir. O News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.